Good morning, Aleid, et Nessus, aujourd'hui le Nishmat Amram de Chai Ben Yitzchak Vafani Dvora Bat Esther Eliaou Alain Ben Esther Adjadj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous serions Messiah Tiktubot, Perek Bet Mishnah Bet, ou Modera Bioshua Be Omer la Chavero. Sadezo Shel Avicha Haïta, ou le Kartia Hemenu. Sheu Neheman, Shape She Asar, ou Ape She Hitir. Les Miyashedim She Ishel Aviv. Une Mishnah qui est relativement... Le simple n'est pas compliqué. Il y a deux manières d'étudier. Lire et traduire ce qu'il a écrit, et puis après comprendre comment elle vient s'incruster dans ce chapitre, alors qu'apparemment elle n'a aucun rapport. D'accord? Donc déjà, on va l'expliquer simplement. Mais dès les premiers mots, vous allez avoir le problème. Ou modère Rabbi Yeshua. Il reconnaît Rabbi Yeshua. Qui c'est Rabbi Yeshua? Mishnah Bet, on n'en a pas parlé. Mishnah Perek Aleph, on n'en a pas parlé. Ah, on en a parlé en fait dans Mishnah Vav Zayin Chetet, d'en haut. Donc en fait, on se réfère par rapport à la machloket qu'avait Rabbi Yeshua et Rabban Gamliel. On laisse ça de côté pour le moment et on s'intéresse à l'essentiel de la Mishnah. Après, on viendra expliquer le rapport. Donc, on m'a dit Rabbi Yeshua, il reconnaît Rabbi Yeshua, Be'omer Lachavero, celui qui dit à son ami, Sadezo, Shalavicha Aita, sache que le champ là que je suis en train de cultiver, eh bien, Shalavicha Aita, c'était le champ de ton père, de son père, Zichrono Livracha, le Kartia Emeno, et je l'ai acheté de lui. Mais celui qui prétend ça, Sheune Eman, eh bien, celui qui prétend ça, il est cru. Pourquoi? Shapeshe Asar ou Apeshe Itir. Car la bouche qui a interdit est la même bouche qui permet. Par contre, Vimiesh Edim Shehi Shalaviv. Cependant, s'il y a des témoins qu'elle appartenait à son père, et lui nous dit, mais je lui ai acheté en fait, eh bien, il n'est plus cru. Soit, on répète la scène, on se calme un petit peu. Il y a, comment dire, Réhouven débarque en Israël. Parce qu'il y avait les, peu importe, les Shiva de son père qui est décédé depuis maintenant un an, il est venu voir un petit peu monter sur son, il vient de l'étranger, d'Amérique, d'Angleterre, de France, et puis il est donc monté sur sa tombe, d'accord? Il arrive dans le quartier, et puis il voit dans le quartier où il habitait son père qu'il y a Shimon, il est en train d'exploiter un champ. Il a un champ, Shimon vient, il lui raconte une histoire, il lui dit, tu sais, en fait, le champ là que j'ai ici, ben, sache qu'il y a 2 ans, j'ai acheté ce champ-là de son père, le père de Rouen. Et après, Rouen est décédé. Alors là, Michel m'a dit, écoutez, deux situations. La situation où il n'y a pas de témoins, Shimon, ce qu'il prétend, on le croit. Mais si toutefois il y a des témoins que ce champ-là appartenait au père de Rouen dans les 3 dernières années, alors là, dans ce cas-là, on va dire, ah, Shimon, merci beaucoup, tu me rends le champ, soit tu prouves que tu as acheté le terrain. Voilà la donnée de la Mishnah. On va d'abord expliquer un petit peu plus profondément. Et après, on expliquera en quel rapport avec l'histoire avec Rabbi Yoshua. Ça, ça devient un peu plus un détail, un peu moins urgent. D'abord, comprenons la Mishnah. Le principe, il est très simple. On est dans les lois, dans les règles de Migo. Migo, c'est crois-moi que je te dis une chose, parce que si je voulais te mentir, je t'aurais dit autre chose. C'est la base du Migo. D'accord? C'est si toutefois, quand je mens, c'est pour ça que ça se rattache au premier péril, en fait. Si toutefois, j'affirme une chose, que cette chose-là, elle m'engage. Elle me met un petit peu dans la galère. Mais pas complètement. Ben, alors que si je voulais me protéger encore plus, j'aurais prétendu autre chose. Que j'aurais été couvert à 100%. Je suis cru dans ce que je prétends, parce que j'ai un propos important, j'ai quelque chose qui vient étayer appuyer la vérité de mes propos, c'est que si je voulais vraiment mentir, j'aurais menti complètement. Donc si je te dis quelque chose que ça m'engage et que ça me met dans la zut, et que je m'engage à des dettes à cause de ça, crois-moi que c'est ça et pas plus. C'est la base du Migo, et c'est ce qui arrive ici de nouveau. Shimon, il était là en train de labourer un champ, en train de l'exploiter, et Rouven débarque, il n'en sait rien, il connaît rien du tout de ce qui se passe ici. Il a son billet retour pendant 2 semaines. Shimon, il peut la jouer sous-marin, laisser passer l'histoire et laisser Rouven repartir. Shimon débarque, il lui raconte à Rouven. Tu sais, je veux dire quelque chose.
Ce champ-là, je l'ai acheté de ton père. Mais ce champ-là, il était à ton père. Mais c'est devenu le mien maintenant. Depuis maintenant 2 ans ou 1 an. Et voilà. Est-ce qu'on croit à Shimon ou pas? Alors la Mishnah me dit, mais écoute, Shimon, il aurait pu se taire. D'abord, peut-être qu'il faut introduire autre chose. Vous savez que lorsqu'on achète un champ, il faut nécessairement garder le contrat, le shtar avec lequel on a acheté, pendant 3 ans, au minimum. Après 3 ans, si tu nous dis que tu n'as plus le shtar parce que tu l'as perdu, un homme, il ne peut pas garder tellement de paperasse pendant des années. Mais pendant les 3 ans, on t'impose que tu... Si on apprenait ça dans ma Bavatra, si vous vous rappelez, c'était plusieurs années entre nous déjà. Il y a la base de Perek dans Perek Shlishi, de Baba Vatra, on parlait longuement de tout ça, que lorsque j'achète un champ ou un bien immobilier, je dois nécessairement garder la preuve pendant 3 ans. Après 3 ans, on va m'excuser si j'ai plus la preuve. D'accord? Donc selon ce principe, si je vends une maison, et au bout d'un an, je me dirais, mais dis-moi, c'était ma maison ça. L'autre me dirait, mais tu l'as vendue. Vas-y, montre-moi ton papier. T'as pas. Moi, j'amène des témoins que cette maison, elle m'appartenait il y a 1 an et demi en arrière. Et pour le moment, dans le doute, la maison, elle reste la mienne. Karka, Bechaskat, Bealea, Omedet. Le karka, jusqu'à preuve du contraire, on va le supposer, le supposer qu'il appartient pour le moment à son propriétaire initial, jusqu'à ce que l'autre vienne prouver, à lui de rapporter la preuve. Selon ce principe, maintenant, la Mishnah, elle me dit, écoute, le Reuven débarque d'Amérique pour monter sur la tombe de son père, comme on a dit. Shimon, lui, s'il y a des témoins que la maison de. Que le champ. Que Shimon exploite, il appartenait initialement au père de Reuven. Si quelqu'un, il y a des témoins qui vont venir voir Reuven et lui dire, tu sais, ton père il avait un terrain il y a 2 ans, va voir si l'autre il a pas, quand il a vu qu'il était malade, son père, il n'a pas commencé à lui spolier le terrain et à l'utiliser alors que ça lui appartenait pas. Reuven va débarquer, va aller voir Shimon et lui dire, écoute mon ami, tu as le shtar, que tu as acheté ça de mon père? Non? Rends-moi le terrain pour le moment. Vous comprenez? Sur ça, la Mishnah vient me dire, maintenant, si quand Reuven débarque, il n'y a pas de témoin, personne n'est capable de dire que ce champ appartenait au père de Reuven ou pas. Et il y a Shimon qui vient de lui-même qui nous dit, sache qu'il appartenait, il y a 2 ans, il lui appartenait. Moi, je te raconte l'histoire. Mais moi aussi, je te dis que je l'ai acheté de lui. Si je me taisais, j'étais cru, je serais resté tranquillement sur ce terrain. Maintenant que j'ai parlé, à pécher à Sar ou à pécher Itir. La bouche qui a interdit la chose est la même bouche qui vient qui te dit qu'en réalité elle a été permise. Je peux te dire qu'une chose qui a eu un problème et qui a un problème qui a été résolu. Tu es obligé de me croire, tu ne peux pas t'arrêter à moitié dans ce que je prétends à me croire que à moitié. Si tu prends ma phrase, tu la prends entièrement. C'est le même principe que le bigot. D'accord? Et sans ça d'ailleurs que ça se rattache avec le chapitre Aleph, qu'on a vu plusieurs marloquettes entre Rabbi et les Rabbi Yoshua et Rabbi et Rabban Gamliel. Où là-bas, Rabbi Yoshua, lui, c'était lui qui nous disait sans arrêt, L'homme est bien, nous, Chaim, on ne vit pas sur sa bouche. C'est-à-dire qu'en fait, il nous disait, non, on ne peut pas croire une femme qui nous raconte qu'en réalité, elle est propre, que le monsieur avec qui elle a eu un rapport, c'est un homme cachère, parce que même si elle a un migo, elle aurait pu dire qu'il n'y a rien eu, on ne la croit pas, c'est tout. Ça, c'est vrai pour les Issourim. Selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas. Dans tout ce qui est Issour, pour se mettre avec les Kohanim, Rabbi Yoshua, il est Machmir, il nous dit, on ne croit pas une femme. Mais pour tout ce qui touche aux questions d'argent uniquement, ouais, en l'occurrence comme c'est le cas ici, alors là, pour tout comment dire, le droit des différents d'argent, et bien dans ce cas-là, même Rabbi Yoshua, il reconnaît qu'il y a Migo, et comme ce qu'il explique le Barthénor. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous sera.